Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super. Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends où des news viennent de pop, des leaks, du V-Jump sont sortis ce matin. Certains et certaines d'entre vous ont déjà dû les voir via les réseaux sociaux. Les deux nouveaux persos en question, eh bien il s'agit de Goku Super Saiyajin Blue, mais il ne vient pas tout seul. Il ne vient pas tout seul, il vient également avec le prince Vegeta. Donc voilà, ces deux nouveaux persos vont bientôt faire leur apparition sur le jeu. Voici l'article du V-Jump en question. À présent, concernant la date de sortie, ne croyez pas que ça va sortir dès demain. C'est pas pour mercredi. Honnêtement, si vous voulez mon avis, je pense que ça arrivera pas avant la fin du mois, en même temps que l'arrivée de Charlotte SSJ God. Le leak V-Jump est tombé ce matin via Twitter. D'ailleurs, voici mon compte Twitter, @SofianeLeGeek, n'hésitez pas à follow, ça fait toujours plaisir. Je me suis rendu sur le compte de Miguel, une personne vivant au Japon, qui a fait justement le post avec le leak en question V-Jump qu'on retrouve juste ici. On peut lire quoi? Alors attention, c'est du Google Traduction. Le Goku SSJ Blue, on nous dit « Renforcez-vous lorsque l'ennemi change ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous jouez le Goku SSJ Blue in-game, quand votre adversaire va changer de joueur, votre Goku va être renforcé. Plutôt intéressant. Et concernant le Vegeta, on nous dit « Ajoutez plusieurs buffs aux alliés si vous devenez invalide ». Voilà. Donc là, c'est intéressant. À voir comment ça va être tourné, à voir une fois que il va y avoir la véritable traduction française. Mais ça paraît intéressant. Maintenant, on va regarder ça en détail. Quand je dis regarder ça en détail, c'est connaître les attaques qu'ils vont avoir. Et également, quand on regarde le Vegeta, plusieurs personnes se posent la question, s'agit-il d'un Vegeta Super Saiyajin Blue Evolution? La réponse est non, et je vais vous expliquer pourquoi. On va regarder plus en détail cette page du V-Jump. Donc on va zoomer et on va s'attarder un petit peu sur le cas de Vegeta. Comme on peut le constater, effectivement, on peut apercevoir que ce Vegeta, bah, il est mastoc. Il a franchement, il a fait de la muscu, là. Il a pris de la prot et tout ça. Je sais pas ce qui s'est passé. Bulma, tu lui as fait quoi, Vegeta? Parce que là, clairement, effectivement, moi, au premier regard, on me montre ça. Je pense tout de suite à Vegeta Blue Evolution. Mais non, ce n'est pas le Blue Evolution. Et pourtant, la chevelure in-game, hein, on peut le voir, hein, elle est bleue foncée, tu vois. Ça fait vraiment penser au Blue Evolution. Alors après, c'est peut-être l'éclairage, l'ombrage de cette page V-Jump qui est peut-être pas au poil. Mais voilà, apparemment non, il s'agirait des deux persos, Goku SSJ Blue et Vegeta SSJ Blue, de l'arc de Zamasu, tout simplement. Donc attention, pourquoi ce Vegeta est aussi balèze? On le sait, les développeurs de Dragon Ball Legends aiment avoir des persos musclés au style Dragon Ball Z. On sait que Dims aime mettre l'accent sur la musculature des persos. En soi, moi ça me dérange pas. Moi j'ai grandi avec Dragon Ball Z et quand j'étais gamin que j'ai regardé Dragon Ball Z, j'ai grandi avec des persos qui étaient musclés. Et la musculature était signe de puissance à l'époque, tout simplement. Pourquoi? On avait, dès l'arrivée des Saiyans, un appât. Dès qu'il s'est énervé, qu'il s'est retrouvé torse nu, il avait une petite tête et un corps. Un corps imposant de fou, limite à l'écran, tu voyais que le corps de Nappa, tu vois. Pareil, le Goku, une fois qu'il a appris le Kaioken, comment on a pu ressentir à travers l'écran la puissance du Kaioken? Eh bien, tout simplement avec l'aura rouge autour du perso, mais avec les muscles qui gonflaient. Les muscles étaient signification de puissance à l'époque. Pareil pour le Super Vegeta quand il arrivait face à Cell en sortant de la salle du temps. Comment on a pu ressentir que Vegeta avait dépassé le stade de simple Super Saiyan? Eh bien, la musculature qui avait gonflé. Pareil pour Trunks Hikari, la musculature, toujours les muscles. Donc en soi, pour ma part, les muscles, ça ne me dérange pas. Et je trouve ça plutôt chouette que dans Dragon Ball Legends, eh bien, ils mettent l'accent sur ces muscles. Concernant les attaques des personnages, ici, on peut se rendre compte qu'il y a le screen sur l'attaque de Vegeta qui est le canon Garrick. Donc, encore une fois, on nous montre que ce n'est pas le Vegeta Super Saiyajin Blue Evolution, car on le sait, l'attaque du Blue Evolution qu'on voit dans le tournoi du pouvoir, c'est le Final Flash. À présent, c'est un canon Garrick qu'on retrouve également dans l'arc Zamasu. En revanche, pour Goku, c'est différent. Ici, on peut le voir infliger une patate. Voilà, clairement un coup de poing. Et je pense que Goku, son attaque ultime, sera
un enchaînement de coups. J'entends quoi par là en disant un enchaînement de coups? Souvenez-vous, dans l'arc de Zamasu, on a Black Goku rosé aux côtés de Zamasu face à Goku Super Saiyajin Blue. Et on a le Black Goku rosé qui commence à sortir comme quoi il a assassiné tous les amis de Goku, qu'il a assassiné Shishi, etc. Et on a Goku Super Saiyajin Blue qui s'énerve, qui recharge son ki et qui enchaîne de coups le Black Goku rosé. Avec une petite touche finale très sympathique, on avait le Zamasu qui arrivait derrière Goku Blue et Goku Blue, bam, il l'a fini juste avec un coup et on a Zamasu qui est parti dans le décor s'écraser contre un immeuble. Ça, je trouvais ça vraiment plutôt stylé dans Dragon Ball Super. Je pense que Dimps va vraiment soigner cette attaque de cette façon. Peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que ce sera autre chose, peut-être que ce sera un simple Kamehameha, mais je vois bien justement l'enchaînement de coups de ce Goku Super Saiyajin Blue. Concernant les stats des persos, pour l'instant, on n'en sait pas vraiment plus que cela. En revanche, on peut voir un peu l'équilibrage des persos. L'équilibrage de Goku juste ici et l'équilibrage de Vegeta juste ici. On peut apercevoir que Vegeta paraît plutôt complet, contrairement à un Goku qui a un peu plus de faiblesse, par exemple par ici, contrairement à un Vegeta où c'est beaucoup plus élevé. Alors attention, tout ceci, bien évidemment, ne veut pas dire que le Goku sera moins bon que le Vegeta. Il faut également regarder la capacité Z, le passif, etc. En fonction de ça, on pourra se faire un avis. Mais ce n'est pas tout. Dans ce leak V-Jump, on nous parle également de ce fameux Shallot SSJ God. Vous allez voir, c'est plutôt intéressant. Juste ici, le V-Jump nous montre la tête de Shallot. Pourquoi? Eh bien, regardez. On nous montre des teams Ki Divin. Une team Ki Divin qu'on peut jouer déjà actuellement avec le Beerus EX. Le Beerus EX qui a une capacité Z vraiment très intéressante. Eh bien, on voit qu'il a été remplacé par le Shallot, juste ici, dans une team Ki Divin. Alors, on le sait, le Shallot SSJ God va arriver prochainement, sans doute en même temps que ces deux persos, que le Goku SSJ Blue et le Vegeta SSJ Blue, qui seront également de team Divin. Mais là, on nous montre clairement que le Shallot aura sa place dans une team Divin. En gros, c'est pas comme si que voilà, il avait la capacité Ki Divin et que finalement il y avait des persos qui sont meilleurs que lui et qu'il n'a pas vraiment sa titularisation dans la team. Non, on nous montre que clairement le Shallot va avoir sa titularisation dans une team Ki Divin. Alors déjà qu'on sait qu'il fait très mal en Super Saiyajin 3, imaginez-vous en Super Saiyajin God, je pense que le Shallot va déboîter des bouches. Clairement, en PVP, ça va être une dinguerie. On voit également que là, on a un Goku Blue, tout ça. Le Vegeta Blue de type violet, le Vegeta SSJ God de type jaune. Alors maintenant, de quelle couleur seront les persos? On peut apercevoir qu'ici, on avait déjà un Vegeta Super Saiyajin God de type jaune. On a également un Goku de type rouge, un autre Goku de type violet. Compliqué, on sait qu'on a un Vegeta Blue LF, Legendary Finish, de type vert. Et si on analyse bien, si on réfléchit bien avec logique, nous n'avons pas de Vegeta Ki Divin de type rouge. Donc peut-être qu'on aura un Vegeta Blue qui va arriver là prochainement de type rouge. En revanche, pour le Goku Super Saiyajin Blue, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a tout de même le Jubaida de type jaune. On a également un Super Saiyajin Blue Goku de type bleu. Voilà, il y a pas mal de Goku divins de plusieurs couleurs. Peut-être que voilà, il arrivera de type bleu pour remplacer l'ancien Goku Blue, je ne sais pas. Concernant le Goku, c'est compliqué. En revanche, le Vegeta, je le vois bien arriver de type rouge. On va également souligner que les deux persos qui vont arriver, donc le Goku SSJ Blue et le Vegeta SSJ Blue, vont avoir la catégorie Ki Divin. Ça, c'est une certitude. On va pouvoir rajouter la catégorie future, car ces deux persos dans l'arc Zamasu vont dans le futur de Trunks pour aller affronter justement Black Goku Rosé et le Zamasu. Donc du coup, le fait d'obtenir la catégorie future, mais on va pouvoir se faire une team future de fou, avec déjà les persos qui sont sortis à l'anniversaire des 2 ans de Dragon Ball Legends, à savoir le Vegeto Blue Legendary Finish, le Trunks Ikari, on a également le Gatai Zamasu. Tu rajoutes à ça
le nouveau Goku SSJ Blue et le nouveau Vegeta SSJ Blue. Donc après, attention à avoir la capacité Z, le passif, etc. pour savoir si ça vaut le coup ou non de les mettre dans la team. Mais en soi, à chaque nouveau perso, logiquement, ils sont toujours craqués, les persos, ils sont toujours cheatés. Donc je pense qu'il y a vraiment moyen de se faire plaisir. Et pour le coup, ça prendra peut-être le dessus sur la team Fusion. Ou voilà, je sais pas. À voir ce que ça va donner. Dites-moi vous aussi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos proches, vos amis. Et puis abonne-toi à la chaîne également si ce n'est pas déjà fait, en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications. Max de pouces bleus, les amis. Sur ce, je vous dis à très vite. On se retrouve prochainement pour un prochain live ou une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super! Non, yeah!